Coucou les Sindos, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 mai. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Alors, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit Laissez place aux surprises. Oui, laissez place aux surprises. Laissez la vie vous étonner. Laissez la vie vous surprendre. Euh, vous verrez que vous allez avoir de, il va y avoir de jolies choses qui vont arriver pour vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Laissez la place aux jolies surprises pour vous, amis cancer. Allez, quels sont les deux premiers messages ici Eh bien, on vous parle de coups de foudre. Il va y avoir des jolis coups de foudre qui vont arriver pour vous à mi-cancer célibataire. Donc vous allez rencontrer une nouvelle personne et ça va être vraiment le coup de foudre. Votre petit cœur va de nouveau battre et ressentir l'amour, en tout cas l'attirance, et de nouveaux sentiments vont naître. En tout cas, ici, on nous parle vraiment qu'il y a une naissance, qu'il y a un renouveau dans votre vie sentimentale avec la cigogne. Pour d'autres, et puis on vous parle aussi. Alors, pour d'autres on vous parle vraiment ici que euh, cette rencontre est faite pour durer. Hein. on vous parle de projets quand même hein, de projets de vie commune donc ce n'est pas une rencontre faite comme ça pour euh, juste pour vous occuper pendant pour l'été par exemple hein. non non c'est une rencontre qui est faite vraiment euh, pour euh, aller sur le long terme pour vraiment euh, faire des choses stables pour vraiment euh, euh, faire des, des projets communs et pour aller euh, vraiment sur, sur le long terme. Pour les couples, pour les personnes qui sont déjà en couple, on nous dit ici bon, peut-être qu'il va y avoir un coup de fou, peut-être que vous allez euh, retomber amoureux ou amoureuse de votre autre. En tout cas ici vous allez peut-être de nouveau ressentir votre cœur battre pour votre partenaire. Mais en tout cas on vous dit ici aussi pour les couples qu'il va y avoir des projets. Alors peut-être que euh, peut-être que vous vivez ensemble, peut-être que vous n'avez pas encore officialisé euh, votre relation euh, au niveau euh, auprès de la mairie. Je ne sais pas. Peut-être que ici vous allez voir peut-être euh, euh, Concrétiser cette vie commune, euh, cette officialiser euh, peut-être par un pax, ou peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble et vous allez euh, projeter de vivre ensemble, ou peut-être tout simplement vous voulez euh, agrandir la famille et faire un bébé en tout cas. Peut-être qu'il va y avoir aussi des annonces bébés sans que vous ayez décidé d'agrandir la famille, en tout cas ici il va y avoir des annonces bébés ou des, ou des désirs de, de maternité et de paternité. voyez comment ça vous parle. C'est plutôt joli comme énergie. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit quelle est la conclusion ici pour vous amis Cancer Et bon, on parle de sagesse et de bon raisonnement. Donc en tout cas ici, vous allez savoir, euh, ben, vous, vous êtes, euh, vous allez être serein et sereine par rapport à justement à ces projets. Alors peut-être vous allez être serein et sereine par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie, cette nouvelle personne qui vient, qui vient vers vous. Euh, elle sera vous apaiser en tout cas. Elle sera aussi euh, vous montrer. Qu'elle est dans les mêmes énergies que vous, qu'elle a envie de construire quelque chose. En tout cas, on vous dit que vous saurez prendre les choses comme elles viennent. Vous n'allez pas avoir envie de précipiter quoi que ce soit. Et vous aurez, justement, vous aurez justement le bon raisonnement pour faire avancer les choses doucement mais sûrement. Hum? Qui va piano va sano, comme on dit. Et qui va sano va lontano. Et euh, donc ici, oui, vous aurez la, la sagesse d'y aller tranquillement, euh, de savourer justement le début de cette relation. Et euh, vous aurez justement euh, l'envie. Euh, ben dans, de profiter justement, de vous laisser surprendre par le cours de la vie. Donc, oui, vous allez être vraiment dans des énergies de surprise et vous avez envie de vous laisser surprendre justement par ce renouveau dans votre vie sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple, vous, on vous dit aussi que vous avez la sagesse et le bon raisonnement. Ça veut dire que vous allez vraiment euh, discuter, euh, bien communiquer justement par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Alors, que ce soit par rapport à, 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 à une vie commune, à vivre ensemble ou par rapport à un projet bébé. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Mais en tout cas, vous, allez, vous aurez vraiment, euh, vous saurez communiquer, vous saurez vraiment euh, bien vous entendre. fait, enfin, en tout cas ici, on, vous rend, on sent vraiment de la sérénité, on sent de, une paix intérieure. En tout cas, par, pour vous amis cancers, vous vous sentez bien, vous êtes bien dans vos énergies, vous êtes bien aussi dans, dans les nouvelles surprises qui arrivent pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Et c'est plutôt sympathique ici, euh, c'est plutôt et c'est tant mieux d'ailleurs, hein. tant mieux pour vous amis cancer Voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, j'espère que euh, ça, ça vous éclaire en tout cas et que ça va vous inspirer pour votre semaine. Euh, N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, mais quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre message À l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant ou confiante. Donc ici. Alors ça peut parler de plusieurs choses, soit vous commencez une relation, soit vous recommencez une relation parce que peut-être que vous étiez en interruption, en break, peut-être que vous aviez coupé les ponts aussi, peut-être que vous, vous êtes retrouvé, alors peut-être parce que justement dans votre relation précédente vous n'arriviez pas à trouver votre place, vous voyez comment ça vous parle, dans votre relation. Peut-être que, peut que vous étiez aussi trop précipité dans, pour la, vous mettre ensemble. Euh, en tout cas, ici, on, on a l'impression qu'on parle d'une seconde chance, en fait. Hein. À l'avenir, chacun trouvera sa place. Donc, c'est comme si vous donniez un nouveau souffle, une seconde chance à votre relation. On va aller voir la suite des cartes. Donc, ici, on nous parle de passer. Donc, il y a le retour d'une situation, en tout cas, il y a le retour d'une personne. Dans votre vie, il y a un retour d'un ex-partenaire, en tout cas, ou c'est vous qui vivez peut-être des flashbacks. Moi, je parierais plutôt sur le retour d'une personne. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est quelqu'un que vous avez aimé, et c'est quelqu'un avec qui la, la fin. Euh, bah vous êtes en fait, vous êtes resté sur votre fin euh, par rapport à votre relation. C'est comme si cette personne, ou c'est peut-être vous aussi, hein, remettez en fonction de ce que vous avez vécu. Mais c'est peut-être l'un de vous deux a disparu, en tout cas, du jour au lendemain, il n'y a plus de nouvelles. Alors vous viviez, viviez peut-être pas encore ensemble, hein, peut-être que vous avez été dans des projets et du jour au lendemain, comme ça, il n'y a plus de nouvelles, il y a une personne qui, qui n'a plus donné signe de vie, il n'y a plus de communication et vous vous êtes retrouvé vraiment tout seul ou toute seule euh, à, ne plus, à ne pas comprendre ce qui avait bien pu arriver. Ou c'est vous qui avez peut-être coupé, euh, peut-être coupé aussi euh, euh, la communication, vous aviez préféré être dans le silence, peut-être peut-être parce, parce que, pas parce que vous n'aviez pas de sentiments, mais je pense peut-être que vous aviez peur de vos sentiments, peut-être qu'il y a eu une peur comme ça. Pour vous en tout cas, pour l'autre personne, je ne saurais vous dire, parce que là, il n'y a pas d'explication, mais euh, de toute façon, il faudra éclaircir parce que la... il faudra éclaircir la situation parce qu'en tout cas, cette personne, elle revient, et à euh, mon avis, elle est bien décidée à éclaircir ce qui a pu se passer. Alors que ce soit elle qui soit l'initiative du fait d'avoir coupé la communication, de ne pas vouloir pas avoir voulu aller plus loin dans votre relation, ou en tout cas euh, avoir revenir vers vous, justement, pour avoir des explications et pour comprendre pourquoi vous avez réagi comme ça. Vous voyez comment ça vous parle En tout cas ici, il y a vraiment une notion de quelqu'un qui revient. Il y a un retour ici. Il y a un retour. Peut-être que cette personne revient tout simplement pour avoir des explications. Moi, je pense pas, parce que moi, je pense qu'il y a vraiment. Je pense qu'il y a encore de l'amour entre vous. Alors, on me dit qu'il y a encore de l'amour entre vous, mais au niveau communication, il va falloir la jouer serrée. Voyez-vous comment vous ressentez les choses Si vous éprouvez encore de l'amour, ça c'est sûr. Mais Voyez si ça vaut la peine vraiment euh, de retourner avec cette personne, parce que si au départ vous avez eu pris peur, il si y a peut-être quelque chose qui vous a effrayé, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez coupé les ponts, ou en tout cas si la personne a coupé les ponts, est-ce que ça vaut la peine de retourner avec elle Parce que si elle l'a fait une fois, euh, du jour au lendemain, elle peut de nouveau vous laisser tomber. Donc est-ce que vous auriez confiance à rester avec cette personne Voyez comment ça vous parle. Bah, moi je vous donne des messages qu'on me dit. Hein. <laughs> Donc à vous de réfléchir, à voir ce qui, ce qui vous correspond le mieux. Est-ce que vous avez envie de refaire confiance à cette personne À vous de voir. Ici, on va aller voir euh, le conseil ou la conclusion qu'on nous donne. On nous donne on-off. C'est une relation qui sera instable de toute façon. Donc peut-être que Vous avez peut-être que vous allez reprendre une relation avec cette personne qui revient de votre passé. Euh, peut-être que c'est elle qui va être à l'initiative de vouloir reprendre, euh, revivre quelque chose avec vous. Mais en tout cas, c'est une relation qui sera instable. Un coup oui, un coup non. Euh, un coup, il n'y aura plus de dialogue. Un coup, elle reviendra vers vous. Est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce que vous avez vraiment envie de construire quelque chose comme ça Je ne pense pas. À moins que vous soyez vraiment très amoureux ou très amoureuse de cette personne et que vous vous en contentiez. Euh, mais en tout cas, ça ne durera qu'un temps. Mais bon, cette personne revient vers vous. À vous d'avoir vos explications et à vous de voir ce que vous voulez faire avec elle. Tout simplement, voyez euh, qu'elle... Quelle décision vous allez prendre Est-ce que vous allez décider de, de, de retourner avec elle et d'accepter cette relation on-off hein Un coup oui, un coup non, un coup j'avance, un coup je recule. Euh, c'est à vous de voir. C'est vrai que des fois on, on y retourne parce qu'on on garde l'espoir, on se dit si elle est revenue vers moi, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à en tirer ou pas. En tout cas, c'est à vous de prendre la décision, amis ah, Scorpion. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a aidé que ça va vous éclairer en tout cas que ça va vous inspirer pour la suite à donner par rapport à cette relation à cette histoire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si c'est ce pas encore fait. Je vous souhaite bon courage parce que ça va pas être évident ces énergies-là mais en tout cas vous avez la force et le courage d'affronter cette histoire. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons ici les poissons, quels sont vos messages Ici, on parle d'un nou nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc peut-être que vous, vous allez avoir une euh, oui. Alors un nouveau souffle est annoncé. Peut-être que vous avez un, un nouveau départ qui est annoncé, euh, un renouveau dans votre vie sentimentale. Alors que vous soyez en couple, euh, oui, on peut annoncer un nouveau souffle. Hein. Peut-être que vous allez décider de tourner le dos à des routines pour euh, vous renouveler dans votre vie euh, sentimentale. Pour les célibataires, peut-être qu'on vous annonce une nouvelle personne, quelqu'un qui arrive, en, euh, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et en tout cas, on vous annonce une nouvelle chance. Alors, une nouvelle chance, peut-être que c'est peut-être des coupes que... Peut-être que vous êtes séparés, vous êtes peut-être en break. Peut-être que vous avez décidé de reprendre votre relation. Alors, pas, où vous en étiez, peut-être que vous avez décidé de reprendre, de faire un R à Z sur votre relation et de rebâtir euh, sur des choses beaucoup sur des, euh, sur des fondations beaucoup plus solides. On va aller voir ça tout de suite avec vos énergies. Donc ici, on nous parle de tromperie. Il y avait quelqu'un qui portait un masque et on vous parle de, de choses qui vont changer. Donc, oui, une nouvelle chance. Peut-être qu'ici, dans votre relation, il y avait eu peut-être des masques. Alors peut-être que votre partenaire, vous a trompé. Alors quand je parle de tromperie, c'est pas forcément de vous tromper avec quelqu'un d'autre. On peut tromper, on peut se sentir trompé, on peut se sentir trahi de différentes façons. Peut-être que c'est une personne qui ne tenait jamais ses engagements, qui ne tenait jamais ses promesses. Et forcément, à force, on se sent trahi, on se sent, euh, oui, on se sent, on se sent vraiment trahi. Oui, on se dit cette personne, je ne peux pas compter sur elle. Donc oui, forcément, on n'a pas. On ne se sent pas en sécurité hein, dans, dans ce genre de relation. Donc là, il y a, quelqu a peut-être quelqu'un qui portait un masque aussi. Euh, peut-être que euh, cette personne ne vous montrait pas ses vrais sentiments. Peut-être qu'elle restait toujours en retrait. Euh, peut-être qu'elle n'arrivait du mal à se, à se confier. Elle avait peut-être du mal à, à se libérer. Euh, peut-être d'une blessure ancienne. En tout cas, ici, oui, on vous parle qu'il y avait des masques. Qui, euh, il y avait des masques. Il y avait des masques dans votre relation. Peut-être que c'est vous aussi qui avez un masque. Hein, peut-être que vous n'arriviez pas. Vous aviez peur peut-être de montrer vos sentiments aussi, c'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné ou à l'autre, bah, la relation, elle a craqué parce que, parce que justement, vous, vous n'arriviez pas ni l'un ni l'autre, replacer replacé hein, dans le contexte, hein, ni l'un ni l'autre n'arrivait à s'exprimer, à exprimer ses véritables sentiments, à peut-être à oublier le passé, à faire un, à fermer une, une porte définitive sur le passé, vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, oui, il y a eu, il y a eu de la méfiance, il y a eu, il y a eu des masques de portée en tout cas. Et là, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent. Alors peut-être que cette relation a pris fin, peut-être que vous êtes toujours dans cette relation, en fait, vous vous apercevez que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et vous vous apercevez finalement que vous tenez bien l'un à l'autre. Hein. Euh, donc vous, êtes vraiment, euh, vous avez vraiment des sentiments l'un envers l'autre et je pense que cette prise de conscience va être vraiment réciproque. Euh, donc peut-être que jusqu'à présent vous, vous étiez euh, euh, peut-être euh, dans des énergies peut-être plus peut instables euh, par rapport à, à votre relation, mais en tout cas ici, euh, que ce soit l'un ou ce soit l'autre, euh, oui, il y a des choses qui vont bouger. Il, y a des... Il va y avoir des compréhensions. Peut-être que vous allez comprendre finalement que ça ne sert à rien parce que peut-être que vous portiez des masques aussi chacun euh, de votre côté pour vous protéger parce que vous avez peut-être peur de souffrir. Mais là, on vous dit que ça ne sert à rien parce que finalement, bah, vous, êtes quand même réussi à... vous avez quand même réussi à tomber amoureux. Hein. <laughs> Et c'est tant mieux parce qu'en fait, c'est réciproque. Je pense que euh, cette... cette personne qui est dans votre vie, avec qui vous vivez ce, ce... ce genre de relation, c'est un miroir en fait. Elle vous renvoie exactement ce que vous êtes. Vous, avez... vous portez un masque, mais cette personne aussi porte un masque parce que tous les deux, vous avez peut-être. Peur de, euh, de tomber amoureux, peut-être que vous avez peur de, de, de souffrir de nouveau. Mais en tout cas, je pense que au contraire, vous êtes, vous, vous êtes rencontrés pas par hasard, c'est peut-être que vous, vous êtes rencontrés justement pour vous aider à guérir et pour passer à un palier. Et donc, peut-être qu'il est temps d'en prendre conscience et justement de vous accompagner sur le chemin de la guérison. Et, euh, et c'est plutôt joli ici. Hein, parce que quand on parle de choses qui bougent... Et qui avance, pour moi, c'est oui, vous allez laisser tomber vos masques. Vous allez laisser tomber vos masques, vous allez vouloir vraiment révéler vos sentiments et révéler qui vous êtes vraiment à l'autre. Et je pense que l'autre aussi va vraiment être dans ces énergies-là. En tout cas, moi, c'est la version qu'on me donne, c'est la version qu'on qu me dicte, parce que ça pourrait être... On pourrait donner une autre version ici, mais moi, c'est ce le scénario qu'on qu me souffle dans la tête. Et, et la conclusion, ben, c'est un happy end. Oui. Vous allez tomber vous allez tomber les masques oui il y a des choses qui vont bouger mais dans le sens dans les choses vont bouger parce que vous allez vous avoir avez la compréhension qu'en fait bah, vous êtes fait l'un pour l'autre finalement que cette personne a les mêmes peut-être les mêmes blessures et peut vous comprendre et elle va comprendre les mêmes choses que vous pouvez la comprendre et vous pouvez l'aider à avancer et en fait vous allez avancer tous les deux sur le chemin du bonheur et sur le chemin de l'amour regardez on vous parle d'harmonie, de, de voir la vie en rose. Hein. Donc il va y avoir un happy end par rapport à cette relation qui est, est plutôt mal barrée, euh, il faut le dire, <laughs> au départ. Mais je pense que vous allez avoir des compréhensions, je pense que vous allez comprendre. Euh, et elle aussi, peut-être dans vos manières de réagir sur, sur certaines choses, qu'en fait vous avez les mêmes blessures, que vous avez les mêmes craintes. Et je pense que bah, vous, allez avoir, vous allez avoir envie de discuter, vous allez, laisser vous allez laisser tomber les masques. Et vous allez vraiment euh, euh, discuter cœur... Cœur à cœur, justement, vous allez ouvrir votre cœur et elle aussi, et regardez, il va y avoir le bonheur, l'harmonie, et vous allez voir la vie en rose. Donc, le bonheur est à portée de main pour vous, amis poissons, cette semaine. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez que l'autre personne a vraiment les mêmes réactions que vous, qu'elle qu est vraiment, qu'elle est un miroir, qu'elle porte un masque comme vous et que vous portez aussi un masque, euh, ouvrez-vous. Essayez de provoquer peut-être vous euh, la communication pour lui dire, écoute, je vois comment tu réagis, je vois comment je réagis. Est-ce que tu penses que tu aurais les mêmes blessures que moi Est-ce que tu as les mêmes craintes que moi Donc, je pense qu'à un moment donné, il, y a un autre, il faut que vous vous ouvriez. Il y en a un des deux qui va doit faire le pas, un pas vers l'autre en tout cas, pour, pour bouger, pour faire bouger les choses et dans le bon sens. Hein, parce que regardez, il y a quand même un grand cœur et, et il y a une harmonie. Vous allez, vous allez trouver une harmonie entre vous. Bien sûr qu'il y aura des choses qui ne seront pas faciles à construire parce que vous partez de loin quand même. Hein. Mais vous allez y arriver et, euh, et vous, avez, vous vous aimez. Donc, forcément, vous allez y arriver. Vous allez créer le bonheur et l'harmonie dans vos vies. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parle. En tout cas, que ça vous aide. Que ça va vous éclairer pour certaines choses que vous pouvez traverser. En tout cas, que ça va vous inspirer aussi euh, par rapport à votre vie amoureuse. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amis poissons. <coughs> Pardon. <coughs> Je perds ma voix. Prenez soin de vous, amis poissons. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye